Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule diffusée en direct dans le cadre de la semaine de l'éducation catholique du CSD-CAO. Je m'appelle William Burton et je vais assurer l'animation d'aujourd'hui avec les deux élèves conseillers du CSD-CAO, Olivier Laurendeau et Chloé Levert. Voici Chloé pour nous présenter le premier segment de l'émission. Merci William. En guise d'ouverture d'émission, nous aimerions vous proposer un segment préparé par Abigail pour vous partager une valeur autochtone. La valeur de l'honnêteté dans la culture autochtone est représentée par le sable. Il y a très longtemps, existait un géant appelé Sable qui marchait parmi les gens pour leur rappeler l'importance d'être honnête à l'égard des lois du Créateur et des autres. L'honnêteté se manifeste lorsque l'on est en mesure de tenir les promesses faites au Créateur, à soi-même et aux autres. La valeur du respect dans la culture autochtone est représentée par le bison. Le bison est très respecté par les Premières Nations parce qu'il donne sa vie et il partage toutes les parties de son être avec les gens. Il s'agit d'une relation de respect réciproque. L'animal offre les dons de l'abri, des vêtements et des ustensiles. Notre prochaine artiste vient de l'Orignal. Elle a déjà chanté avec plusieurs artistes populaires à travers le pays et même le monde. Elle vient nous interpréter la prière d'Élisabeth, un hommage à Élisabeth Bruyère, une jeune religieuse qui a révolutionné notre histoire en soignant tous les malades, peu importe leur origine. Voici celle qui a la voix et le cœur d'un ange, Manon Séguin. Salut tout le monde, vous allez bien? Oui! Ah, vous êtes vraiment beau et belle. C'est vraiment un privilège d'être devant vous aujourd'hui. Moi, depuis mon enfance, ma mère Monique m'a partagé la joie de chanter en dirigeant la chorale des jeunes de ma paroisse. Même si j'ai grandi dans un foyer monoparental, ma mère a tout fait pour que ma sœur et moi, on ne manque jamais de rien. Elle se levait avant le soleil pour passer les journaux et ensuite elle allait travailler toute la journée et faisait même du bénévolat avec nous et la chorale le soir. Ma mère Monique m'a toujours beaucoup inspirée avec mon rêve de devenir chanteuse. Que ce soit à la télé, sur scène, à Montréal, en Égypte ou en tournée avec mon amoureux Christian-Marc Gendron ou quand je chante avec des enfants, ma mère m'a fait comprendre l'importance de chanter et aussi de faire chanter. Comme un ange, chanter, ça réconforte les gens dans le besoin, surtout les gens malades. L'an dernier, ma mère nous a quittés après avoir combattu un long combat, un long cancer. Quand ma mère est décédée, j'étais dévastée. Je me sentais toute vide. Toi, un jour aussi, tu vas sûrement perdre quelqu'un près de toi. Peut-être même que c'est déjà fait. À ce moment-là, je t'invite à prier et aussi à chanter, peu importe ta voix. Chante pour toi, chante pour la personne qui est disparue, chante pour redonner aux autres. On dit même que chanter, c'est prier deux fois. Quand j'avais 16 ans, donc quand j'étais jeune comme vous autres, j'ai eu le bonheur de chanter la prière d'Élisabeth dans le méga spectacle « L'écho d'un peuple ». Aujourd'hui, je dédie cette chanson à celle qui est devenue mon ange, ma mère, Monique. La nuit m'étant veilleuse, la misère, les cadavres, la démence. Mais l'eau se lève encore une fois pour dévoiler toute cette souffrance. Je veux me vêtir de courage, tenter d'offrir. Je veux me faire
C'était Manon Séguin. Merci beaucoup de ton témoignage. Allons maintenant à la rencontre de notre segment Bloc École avec notre animatrice pastorale, Mme Tina Charbonneau. Bonjour! Nous voici à cette deuxième vague d'école qui change le monde. Cette fois-ci, on va voir des actions qui ont été faites à l'international. Des élèves de l'école secondaire d'Embrun ont écrit des lettres aux membres des forces armées canadiennes qui n'ont pas pu être avec leur famille et amis pendant le temps des fêtes. Les élèves de Saint-Paul de Plantagenet ont vécu un échange culturel par lettres et objets qui représente la culture de la région des élèves avec une école en Haïti. Les lettres en provenance d'Haïti étaient particulièrement touchantes parce que les élèves venaient de revenir à l'école depuis janvier 2020. Leurs lettres parlaient donc des effets de la guerre et comment ils s'en sortent. À Durosaire, les élèves ont mené une collecte d'objets à envoyer en Haïti dans le cadre de leur projet pastoral « Changer mon monde ». L'école Sainte-Lucie a amassé des lunettes usagées pour le club Richelieu International, qui s'est occupé de les envoyer à des familles de pays défavorisés dans le besoin. Au relais, les élèves ont organisé une vente de crêpes afin d'amasser des fonds pour le mouvement UNI. Ils ont amassé 122 $. Et finalement, pour le volet international, les élèves d'Eldo Rouleau ont participé à la campagne Unis en silence, qui se veut une sensibilisation pour les personnes dans le monde qui ne peuvent pas faire entendre leur voix. Alors merci à toutes ces écoles qui ont changé le monde de façon internationale. Changez mon monde, changez mon monde, changez mon monde. Voici maintenant une fière franco-ontarienne et autochtone de l'école Saint-Mathieu de Hammond. Accueillons à l'émission le témoignage d'Abigail Collins. Oui, mais darling, elle nous sigille. Quoi, vous ne comprenez pas? Je viens de vous saluer en Mi'kmaq. Mes ancêtres Mi'kmaq ont toujours accueilli les Français ici au pays depuis plus de 400 ans. Quand j'étais en troisième année, on jouait dans la cour d'école. Un gars criait. Hey la gang, venez voir ce que ça a l'air une big fat Indian. Tout le groupe m'encerclait et s'est mis à rire de moi. Mi'kmaq, Big Mac, Wick-Wack. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils riaient du fait que j'étais autochtone. J'ai eu tellement de peine. J'ai pleuré et j'étais bouleversée pendant toute la soirée et toute la nuit. Au lieu de me défendre par des insultes, il fallait que je partage ma fierté autochtone. Mais je ne savais pas comment faire. Le matin, en partant pour l'école, j'ai dit à mes parents, « Attendez une minute, je reviens. » Je suis arrivée à l'école habillée avec des vêtements autochtones et j'ai marché vers le gars et les autres qui avaient ri de moi. J'ai dit au gars doucement, « Regarde, c'est ça que ça a l'air une Indienne, mais je ne suis pas différente de toi. On est tous pareils à l'intérieur. Si tu avais un accident et tu avais besoin de mon sang, je te le donnerais tout de suite. C'est mon père qui m'a pris ça. Mon père est un militaire et il a le courage d'un Mi'kmaq. Il donnerait sa vie pour sauver celle de n'importe qui ici. Ma mère a le sens de l'amitié d'une métisse. Chaque jour, au gouvernement, elle travaille à bâtir des relations avec d'autres pays. Depuis ce temps-là, tout le monde à mon école commence à respecter et à découvrir les cultures autochtones. Ma famille offre plein d'activités à l'école. Et le gars qui riait de moi et des autres est devenu un ami. J'ai même reçu une plume d'aigle pour mon courage. Je t'invite, toi aussi, à découvrir la beauté des cultures autochtones. Will Allen, merci. Abigail Collins, mes amis de Hammond, Abigail Collins, Will Allen, merci Abigail. Notre prochain invité est un habitué de la Journée Unie. Il a été un invité coup de cœur depuis les deux dernières années. Voici notre ami et jeune héros Jedi, Flavien Lavirgne. L'année passée, vous vous souvenez de moi? Tu sais, là, le jeune, avec juste un bras, là. Ah oui, lui, il était tellement cute! Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Flavien Lavigne. J'ai eu un accident sur la ferme quand j'avais 2 ans. C'est pour ça que je suis amputée du bras gauche. Je suis vraiment content de remonter sur scène cette année.
Il y a tellement de choses qu'ils ont changé pour moi depuis un an. Bien, premièrement, je suis rendue à 11 ans. Deuxièmement, je joue maintenant au hockey dedans une ligue de garage. Finalement, j'ai eu plein de chances de faire connaître mon histoire. Depuis la journée unie de l'année passée, j'ai fait une présentation dans une école. J'ai eu une entrevue à la radio Unique FM et un article dans la presse plus rencontre mon histoire. Et je suis dans une publicité à la télé pour la campagne des porte-clés des amputés de guerre. Bon, tu sais, même si je suis rendu big, là, tu peux quand même me parler. Inquiète-toi pas, là. Je vais te signer des autographes à la sortie. Promis. Suite à l'an dernier, l'Association des amputés de guerre a partagé mon discours sur les réseaux sociaux. Mon message disait que, comme Luke Skywalker, qui a lui aussi perdu une main, j'ai une grande force intérieure. Et savez-vous qui a réagi? Luke Skywalker lui-même en personne. L'acteur Mark Hamill a écrit « Moi, je suis un héros dans les films, mais Flavien, lui, c'est un héros dans la vraie vie. » L'an dernier, j'étais tellement stressée quand je suis venue parler ici, mais ma classe s'est toute levée pour m'applaudir. Le monde riait de mes blagues et on me reconnaît depuis ce temps-là. Mais il y a encore du monde gêné d'aller me voir, les jeunes avec un handicap. Hey, pose-nous dans un des questions. Ça va nous faire plaisir de t'en parler. Et n'oublie pas que toi aussi, tu peux accomplir n'importe quoi. Que la force soit avec toi. Flavien Lavigne, une vedette interplanétaire. Flavien Lavigne! Il est déjà temps de terminer l'émission. Avant de se quitter, voici Mathieu Bissonnette avec la prière de la journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, lorsque je vois des gens tristes, seuls et découragés, aide-moi à faire une différence en leur donnant de l'espoir. Grâce à la prière, inspire-moi à utiliser les bons mots et à poser des bons gestes qui vont leur permettre de retrouver leur chemin. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci à tous ceux et celles qui ont été des nôtres aujourd'hui pour la diffusion en direct de cette deuxième capsule de la semaine unie. Maintenant que l'émission tire à sa fin, c'est le temps pour nous de vous inviter à aller voir dans la description de la vidéo pour trouver un lien qui vous invitera à la page web d'un défi d'évasion virtuelle. On espère que les invités d'aujourd'hui ont pu sonner chez vous une lueur d'espérance et d'espoir. On se retrouve sinon demain à 12h30, toujours pour une autre diffusion de la semaine unie. Bonne journée.